stock-car que ces voitures techniques. La voiture Patiti, Merce en tête, Polydor. Est-ce qu'il dit Merce à essayer de gagner au sprint? Oui, probablement. Il va pas, je ne crois pas qu'il va démarrer. Cette côte n'est pas tellement longue. Eddy Merckx qui se retourne. Eddy Merckx, sur qui les journaux canadiens ont beaucoup écrit ces derniers jours. Et bien sûr, beaucoup d'admiration, mais aussi certaines critiques. Ils ont été surpris de voir notre champion, qui n'était pas un champion souriant. Ils ont dit, tiens, ce n'est pas une vedette à l'américaine. Mais comprenant difficilement les problèmes d'un champion qui depuis des années vit au sommet et doit être toujours concentré. Eddy Merckx était très nerveux ce matin au départ, je vous l'ai dit, il avait sa figure des mauvais jours, c'est-à-dire des grands jours, il ne souriait pas, il était très nerveux. Et maintenant, après avoir fait une course impeccable, il se trouve tout près du but, vous voyez qu'il se retourne. Il est vraiment très attentif, il se retourne pour voir où sont les autres. Nous sommes dans la descente. Les coureurs sont à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Eddy Merckx vient de serrer sa courroie de cale-pied du pied gauche. Il serre ses courroies de cale-pied donc pour préparer le sprint. Polydor, oh, la voiture vient beaucoup trop près là, ce n'est plus le moment, alors qu'il y a une caméra fixe qui va prendre le relais dans la ligne droite. Polydor en tête, Merckx en deuxième position. Voilà Polydor en tête, Merckx en deuxième position. Nous sommes dans la ligne droite d'arrivée, oh la voiture. Polydor qui se retourne, Merckx. En principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Merckx se retourne pour voir si personne ne revient, il est très méfiant. Polydor en tête, Merckx en deuxième position, Merckx qui resserre ses courroies de cale-pied. Toujours Polydor, Merckx dans la roue. Merckx va-t-il attendre longtemps? Voilà Polydor qui reste sur les pédales. Et voilà Eddy Merckx qui attaque. Eddy Merckx qui attaque, qui part carrément en tête. Polydor dans la roue. Merckx part de loin en tête et Eddy Merckx va devenir champion du monde. Eddy Merckx va devenir champion du monde pour la troisième fois. Eddy Merckx, champion du monde, il égale le record de Van Steenbergen et de Binda. Deuxième Polydor à 2 secondes. Et bien voilà. Voilà, mission accomplie pour Eddy Merckx.